Bonjour les amis pour ce nouvel aventure, ce nouvel épisode sur Escapers 2. Alors désolé, le temps a été un peu plus long parce que je n'avais pas activé mon chrono. Là, rassurez-vous, je l'ai fait. Et pendant que j'étais en train de faire le chrono, j'ai eu un petit coup de génie. Ça, je pense que vraiment, il faut le mettre comme ça. Et dans mon idée, j'avais envie de le placer comme ça. Expliquer pourquoi. Relisons. Le phénix ne peut pas être proche des serres. Bah là, c'est le cas. La croix est à côté du phénix. C'est le cas. Le ver rouge sont entre le phénix et le jaune vert. Donc ça, c'est bon. Le damier ne peut pas être opposé au phénix. Il n'est pas opposé. Et le phénix sont à côté des serres. Testons. Parce que l'autre possibilité, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et voilà. Ouais, parce que je me suis rendu compte en plaçant le phénix de l'autre côté pendant la pause que, en fait, c'était pas possible. Enfin, bref. Bah écoutez, on va placer tout ça là. Ok, alors on a plusieurs morceaux. Alors moi, de base, je serais pour mettre les morceaux qu'on est sûr qu'ils doivent se placer. Oh, il y a plusieurs endroits où les placer. Oh my god! Alors on doit reformer un pattern, j'imagine. Ah, ça se superpose! Oh, t'es pas sérieux. Oh lolo. Ah, ça va être l'horreur. On doit représenter quoi? Un motif? Bon, déjà, ce qui me semble assez logique, c'est qu'on ne va pas pouvoir combler le centre. Faut que je trouve la bonne pièce. Ça, si je fais ça. Non, ça a l'air complètement. Ça m'a l'air complètement obvious. Donc c'est pas ça. Prenons ce morceau. Ah, là c'est peut-être mieux. Ah, regardez, ça fait une sorte de. Ok. On avance, on avance. Par contre, ça, je pense que c'est faux. Ça. Oh oui, ça fait une flèche, regardez. On est bien là, on commence à être bien, on commence à être bien. Oui. Non. Oui. Ah bah si, en fait, faut tous les mettre. Allez! Alors, nous avons un poids. Alors, je vais le mettre avec l'autre. Si vous me le permettez. Je fais des allers-retours, hein, mais c'est vraiment pour... gagner du temps. Le poids, à mon avis, on va le mettre là-bas parce que il était déjà là-bas et que j'ai rien vu avec les poids, donc à mon avis, ça va être pour ça. Allez, on va repasser par là. On évitera de faire les allers-retours trop loin. Hop. Et là, c'est quoi ça? C'est un chiffon. Ah, mais je sais où ça va. Attendez, hop, non, par là. Ça va là-dedans. Et ça va être pour essuyer ce petit truc. Tout à fait. On va pouvoir le finir. Donc là, bah, c'est face à face, hein. Donc là, il faut faire un truc comme ça. Yes, manivelle. Bah, ça, c'est pour le puits. On tourne. Ok. Oh! Ok, faut les tester. Testons celui-là d'abord. Ok, testons-en un autre. Ok. Aha! Et il y a un dernier élément, c'est le manche. Bah écoutez, on a des manches ici, alors on va essayer. Non. Et là, voyons voir. Yes! Succès déverrouillé, the chosen one. Ok, on a libéré une porte. Et je pense que la porte qu'on a libérée doit être celle-ci. Yes. Ok. Ah, effectivement, on a d'autres boulets.
Oui, on peut pas sortir par là par contre. Alors, combien on a de boulets? On en a 4. Ah, je pense qu'il nous en manque. Parce que regardez. Bon, là on a rien. Mais là, regardez. Ah, on a un coffre qui s'ouvre avec une clé. Attendez. Je me demande un truc. Y a quelque chose par contre que j'ai oublié de regarder. Parce qu'il y a ces histoires de... Je regarde mes notes et il y a ces histoires de cartes, vous savez. Est-ce qu'ici, il y a une carte? Attendez, je pense qu'il va falloir débloquer en fait les autres énigmes qu'on n'a pas encore débloquées là-bas. Donc je pense qu'il faut faire cette énigme-là. Bon bah là je pense qu'on peut compter. Donc on commence avec le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va mettre 9 ici. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite ici on a 2, 4, 6, 7. Et là on en a 4. D'accord. Alors pourquoi le bleu? Parce que le bleu... J'ai juste mal compté car il y en avait 2 ici. Voilà. Ah, jeu de cartes. Ouh! 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 Hihi! Ok. Mais attendez, il nous manque quelque chose. Parce que là, on a la reine. Bon, attendez, on va pas s'embrouiller. On va les disposer. Ok, on a des valeurs. Reine de cœur. On en a besoin. Donc, on va la mettre ici. Reine de cœur. Ça, c'est quoi? Le 8 de trèfle. On n'a pas besoin. On va le mettre ici. Je devrais peut-être lire la lettre avant. Je vais lire la lettre avant, avant de continuer, hein. J'ai un cœur qui ne bat jamais, j'ai une maison mais je ne dors jamais, je peux prendre la maison d'un homme et en construire d'autres, et j'aime jouer à des jeux avec mes nombreux frères. Je suis un roi parmi les autres, qui suis-je? Bah le roi, le king. Ok, continuons. Carreau, le 8. Alors on avait besoin d'un carreau, on va le mettre là, mais je ne sais pas lequel il faut. Hein. Cœur, ben, on en a déjà un. King. King. Ici, on a l'as. Ah, l'as. Ok, as carreau, c'est bon, il est là. Donc, l'as de carreau, on le met ici. Donc là, le carreau, on n'en a plus besoin. Ici, on a le 6 de carreau, on n'en a pas besoin. Ici, il nous faut le 6 de pique aussi, hein. 6 de pique. Donc il est ici. Ok. On avait dit que c'était l'ordre, hein. Ah bah, il n'y a pas d'autre roi, donc King, ça doit être ça. Ok, donc dans l'ordre, ça ferait d'abord le king peut-être. Donc 9. Ensuite, la deuxième valeur, c'est la reine. Donc la reine, c'est 7. Donc 9, 7. La troisième valeur, c'est le carreau. Le carreau, c'est 6. Et enfin, après, on a le 6 de trèfle. Et le 6 de trèfle, c'est 5. Bah écoutez, on va le faire là où on a besoin d'avoir un code. Donc, c'est-à-dire là-bas. Bah, c'est le seul endroit où on a besoin d'un code. Donc, bon. Donc ça fait 9, 7, 6,
Yes. Oula. Qu'est-ce que c'est? Que ces carreaux soient placés de manière à ce qu'aucun carreau ne soit aligné avec un autre de même motif, horizontalement, verticalement ou en diagonale, et de même manière à ce que le plus petit nombre possible de carreaux soit exigé. Le plus petit nombre de carreaux. Ok, combien on a de motifs? On en a 4. Donc là, ici, voyons voir. Je pourrais mettre par exemple ça. Donc là, ce serait plutôt bon. Ici, on peut pas mettre la lune. On pourrait mettre ça. Ici, on est obligé d'en inverser, donc on pourrait mettre par exemple ça. Ah, faut pas qu'il soit aligné diagonalement. Donc ça. Ici, on pourrait mettre la lune. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ici, en diagonale. Ah, si on peut pas bouger? Ah, intéressant, si on peut pas bouger. Ah, donc ça doit forcément par contre changer. Ok, donc on met ça. Ça, c'est bon. Oh, ah, intéressant, parce qu'il y a des choses qui ne changent pas. Ok. Bon à savoir. Alors ça, il ne change pas. Donc forcément, ça, on doit changer. Donc on va mettre ça. Et ça, il ne change pas. On va mettre ça. Ça, on ne peut pas, parce que ça peut pas être mis en diagonale. On peut pas mettre ça. Ok, donc c'est soit ça. Ok, on va placer la lune, hein. On va placer la lune. Ici, on n'a pas d'autre choix que de mettre soit la lune, soit ça. Enfin, soit ce motif, soit ça. On va laisser ça comme ça. Ici, ça bouge pas. Ça bouge. Ça bouge pas. Donc ça doit bouger. Ça y bouge. Ok. On va laisser ça comme ça. Ça doit forcément bouger. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Attendez, attendez, attendez. Faut partir d'une valeur sûre. Faut partir d'une valeur sûre. Tous les coins ne changent pas. Ça, c'est les valeurs sûres. Et ce qui ne change pas, c'est ça non plus. Tout le reste peut changer. Ok. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas mettre. Donc, on va mettre ça là. Si on met ça comme ça. Ça, on peut pas parce que ça peut pas être mis en diagonale. Ok. Bah ici, il en faut 4 différents. Ça, c'est clair et net. Il en faut 4 différents. Ici, on pourrait pas. Faudrait mettre ça. Faudrait mettre ça. Que je me concentre. Ça, je pense que la première ligne, elle est bonne. On va essayer ça comme ça. Ça comme ça. Bon, j'ai fait. D'accord. Ok, good. Good, good, good. Bah écoutez, on avance. Si on est déjà à 15 minutes de vidéo, ça va bientôt être au moment de finir. Ah! Eh ben, on les a tous!
Alors, moi, vous savez, j'ai déjà fait des épreuves de Professeur Layton ou autre, et quand je vois des poids comme ça, je suis sûr, au vu des chaînes qui sont à différentes hauteurs, qu'il va falloir les aligner. Eh ben, la galère commence, les amis. On va en prendre un au pif. Oula, il m'a l'air un peu trop bas celui-là. Donc, écoutez, on va faire un truc, c'est que. Oh là là, je pense que je vais accélérer ce moment-là, hein, les amis, parce que ça va être... ça promet d'être long. Ouais, non, je pense que celui-là, il peut pas aller là. On va partir là-dessus. Oui! Il est encore plus bas. Il est trop bas. Il n'y a pas des valeurs que je puisse m'y retrouver. Et non, ce serait trop simple. Donc, vous savez quoi? On va tous les mettre. Histoire de. Et là, je rigole, je réussis à les aligner au pif. Ah, attendez. Ces deux-là, ils sont bien alignés. Ces deux-là, pas trop. Mais là, ils ont l'air d'être vraiment alignés parfaitement. On va partir là-dessus, les amis. On va partir là-dessus. Ouais, bof. Attendez, on peut pas? Ouais, non, c'est un peu plus haut. Hein. Là, par contre, j'aurais tendance à dire qu'on est bien. Oh là là, c'est rageant. C'est rageant comme on y est presque. Bon, tant pis, la vidéo va être un peu plus longue, mais je pense qu'on est vers la fin là, donc. Bon, ici on disait que ces deux sont les bons. Ah bah en fait un moyen simple de le voir c'est par rapport à ça. Ouais. Non. 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 Non mais même eux deux ils sont pas en fait très bien alignés. Non là c'est trop bas. Ah, je pense qu'il faut vraiment partir sur cette valeur là. Là ici ça a l'air d'être bon mais il faudrait en fait trouver. Je pense qu'il faut trouver celui qui est plus proche de celui-là. Voilà, ils sont vraiment sensiblement les mêmes. Là on est d'accord que non. Oh yo. On est sûr que c'est pas celui-là. Celui-là, c'est pas celui-là, c'est dur. Bon, écoutez, je fais une petite accélération et on se retrouve quand j'aurai fini. Accélération ou pas d'ailleurs, mais là je risque de plus parler. Allez, à tout de suite.
Oh la vache! Je pense que j'aurais même pas besoin de faire un. Au final, les amis, j'ai pas fait de. Pas besoin de faire un. Voilà. Pas besoin de faire un avance rapide. En fait, pendant que je faisais, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui étaient plus lourds que d'autres. Et ceux qui étaient les plus lourds, fallait les placer à gauche. Et ceux les moins lourds à droite. Donc je sais pas, j'ai fait ça un peu instinctivement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien amusé là-dedans. Donc écoutez, ceci marque la fin de Escape First 2. J'espère que cette aventure vous a plu sur ces trois maps. En tout cas, je retiens que celui-là, il fait toujours aussi peur. Hein. Celui-là, bah oui, c'était cool. Et là, bah on a vu des chambres de tortue à tous, c'était plutôt sympa. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt pour la suite sur nos aventures d'Escape Game. Ciao, ciao!